been coming to Morocco for a very long time. I played in the second Hassan Trophy back in the early 1970s, and I've always enjoyed my time here in Morocco. Especially proud to have now two golf courses here, the Tony Jacklin Casablanca and this new one here, the Tony Jacklin Marrakesh, which I'm delighted with. In both cases, I think it's going to help Moroccan tourism, and I think give a lot of people a lot of pleasure. Very happy today to be honoured by the dignitaries that came to help me open the golf course. I made contact with the opening tee shot today, and thank you Morocco very much from me. On est là aujourd'hui pour inaugurer le Tony Jacklin Marrakech. C'est le troisième golf de Prestigia. On est dans le projet de Argan Golf Resort, qui est un projet sur 220 hectares avec des lots terrains et des appartements. Un parcours sur 70 hectares, 27 trous avec 9 trous écoles, qui est une première ici, parce que les gens peuvent venir apprendre à jouer au golf sur ces 9 trous écoles, académie. Donc il y a un pitch and putt, il y a tout ce qu'il faut pour que les gens apprennent à jouer. Les projets sont en commercialisation, on a livré à peu près 800 lots sur les 1100. Le clubhouse est ouvert aussi avec un restaurant ouvert prêt à accueillir le public dès aujourd'hui. On est très content, on a inauguré le clubhouse avec le golf plutôt avec un tournoi. On a eu aussi l'honneur d'accueillir la Fédération Royale de Golf avec un tournoi fédéral des interclubs. C'est le deuxième golf qui signe parce qu'il a signé notre golf de Bouskoura, le Tony Jacklin Casablanca. Bienvenue à tous, on est fiers d'ouvrir ce golf aujourd'hui au public. Et adresser nos remerciements à Lala Soumia Louazzani, directrice de l'association du Trophée Hassan II, pour la contribution de la TH à cet événement, consacrant ainsi la cohésion entre l'association du Trophée Hassan II de golf et la Fédération Royale Marocaine, comme l'a souhaité son altesse royale, le prince Mohamed Rachid. Mes remerciements également aux clubs participants par leur sportivité, leur comportement et surtout l'esprit sportif et de camaraderie qui a entouré cette compétition. Mes compliments au Royal Golf de Marrakech qui a remporté cette première édition. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ce jour pour le lancement du nouveau golf de Tony Jacklin Marrakech. Un golf de 27 trous qui, nous l'espérons, s'inscrira comme un parcours de premier rang à Marrakech. Nous tenons tout d'abord à rendre hommage au président de la Fédération Royale Marocaine de Golf, Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid, pour le rôle capital et déterminant qu'il joue au sein de la Fédération Royale Marocaine de Golf. La Fédération Royale Marocaine de Golf, qui s'érige comme une institution exemplaire, véritable acteur de la promotion et du développement du golf au Maroc, et que nous remercions par ailleurs pour la confiance témoignée en choisissant le Tony Jacklin Marrakech pour organiser la première édition du tournoi des interclubs fédéral. Un grand merci également à M. Tony Jacklin d'être présent parmi nous aujourd'hui. Grâce à vous tous aujourd'hui, le Tony Jacklin Marrakech fait une entrée honorable et réussie dans le paysage golfique marocain.